Direct avec nous. Bonjour, vous êtes ancien ministre de la Défense. Évidemment, vous allez donner votre avis politique. Avant cela, on avait presque envie d'avoir une réaction humaine. Qu'avez-vous ressenti ce matin? Écoutez, mon sentiment, c'est mais où va mon pays, quoi? Voilà, c'est, vous voyez, hier, la décision de confinement est déjà une décision extrêmement triste parce que derrière, ce sont des drames humains, ce sont des trajectoires humaines qui vont se briser avec des catastrophes économiques et sociales évidentes. Et donc déjà hier soir, c'était triste. Et ce matin, c'est voilà, ce coup de massue, quoi. C'est un pays où on a le sentiment que tout se dérègle, quoi. C'est, voilà, je pense que tous les Français aujourd'hui sont un peu sur cette idée, mais jusqu'où on va aller, quoi. C'est quand même globalement ça. Est-ce qu'on est impuissant ou on peut faire encore quelque chose? Comment on peut lutter contre cet islamisme radical? Écoutez, moi j'étais allé en Israël il y a peut-être 3 ans maintenant, pour voir un peu comment faisaient les Israéliens qui ont été quand même terriblement frappés par le terrorisme. Les Israéliens, ils s'embarrassent beaucoup moins que nous. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui pourraient nous inspirer. Par exemple, les Israéliens considèrent que ceux qu'on appelle chez nous les fichés S pour radicalisation, dès lors que les services de renseignement considèrent que le risque de passage à l'acte est important, eh bien, il y a une préventive qui se met en œuvre immédiatement. On va le chercher, et puis après, la personne en question passe devant un juge, donc on réintroduit les droits de la défense, le contradictoire. Mais en clair, on préfère prévenir que de se retrouver ensuite avec un attentat et son cortège de drames. Et je pense que cette idée-là mériterait d'être largement creusée. Et je pense, par ailleurs, plus globalement, qu'on est face à un phénomène qui nous impose, nous, démocrates, à réagir. Parce que si les démocrates ne prennent pas les lois et les dispositifs et les dispositions, voire d'exception, pour lutter contre le terrorisme, ce sont ceux qui sont moins démocrates qui le feront à notre place. Et donc, je pense qu'il y a un moment, quand on est face à cela, le pays doit être en capacité de prendre des dispositifs d'exception permettant de lutter contre ce radicalisme et ce terrorisme. Hervé Morin, je vais laisser la parole à Monsieur Contento, qui est avec nous, qui est un responsable policier. J'ai une question juste à vous poser. Quand vous dites aller plus loin aujourd'hui, prendre les mesures qui s'imposent, sous le coup de l'émotion, on va le dire comme ça, ce matin, le maire de Nice, Christian Estrosi, s'est dit qu'il faut s'exonérer des lois de la paix pour lutter contre ces individus, cette forme de terrorisme. Vous partagez ces mots ? Écoutez, je ne sais pas ce que Christian Estrosi voulait dire derrière ça, mais je pense qu'on a besoin d'avoir des dispositifs qui, en effet, soient en capacité de donner. J'entendais le représentant de la police nationale sur le plateau. Pardon, monsieur, j'ai pas. Monsieur Rocco-Cotenton. Je pense qu'on a. Vous prenez ce que j'expliquais, ce que font les Israéliens, par exemple. Eh bien, ce sont des choses qu'on doit envisager. Je veux bien qu'on ait en effet désormais la possibilité de perquisition, ce qu'on appelle des visites domiciliaires, etc. Eh bien, mais je crois qu'on a besoin d'aller plus loin, parce qu'il y a un moment, je vais vous dire, ça va être assez simple. C'est que les Français vont se dire, les démocrates ne sont pas capables de le faire, on va le filer à d'autres. Et cela, ils ne sont pas forcément... Oui. Quand vous parlez de loi d'exception, à quoi pensez-vous ? Donnez-nous un exemple. Bah, je pense par exemple, l'exemple que je vous donne, c'est qu'en effet, considérer qu'avant le passage à l'acte, on puisse mettre en garde à vue et mettre en rétention quelqu'un dont on considère qu'il est potentiellement devenu dangereux pour la société, à charge à lui ensuite de se défendre et de présenter les raisons pour lesquelles, en effet, il n'y a aucun danger, ça fait partie des sujets qui méritent d'être vus. Sur la question de l'immigration, abordons les sujets. Je vais vous donner un exemple simple. Il y a 8 ou 10 jours, le préfet de ma région a arrêté une cinquantaine de Syriens et Irakiens qui cherchaient à passer au Royaume-Uni. Très bien, ce n'est pas des terroristes, mais on voit bien que le préfet, face à ça, il n'a aucun moyen pour les renvoyer en Syrie et en Irak. On est dans des pays en guerre, donc il faut qu'on ait des dispositifs nous permettant, par exemple, d'expulser beaucoup plus facilement
les hommes et les femmes qui sont sans papiers et qui sont aujourd'hui sur le territoire national. Si on n'arrête pas le flux de l'immigration, on sera incapable d'intégrer. Il faut pouvoir dire ce genre de choses. Ça me paraît une évidence pour tout le monde. Restez avec nous, justement. Et malheureusement, restez avec nous, on va faire réagir Rocco Contanto à vos propositions, et notamment sur cette volonté peut-être d'agir de façon préventive comme le fait Israël en France. Pour le moment, évidemment, ce n'est pas possible. Le problème, c'est qu'il y a un code pénal et un code de procédure pénale. Si on s'affranchit de ces règles-là, n'importe quel avocat pourra débouter une décision. Et d'ailleurs, je souligne le problème des voies de recours. Vous savez, souvent, des fois, des bonnes décisions qui sont prises, notamment des décisions d'expulsion, mais ensuite, les juridictions administratives, voire le Conseil d'État, déboutent ces décisions-là et ces personnes-là, entre guillemets, reste en France. Donc il y a un souci à ce niveau-là. Il faudrait peut-être aussi que ça évolue à ce niveau, parce que si, in fine... Alors justement, ça s'adresse aussi à Hervé Morin, il y a 5 filtres qui viennent éventuellement contrer les lois qui seraient votées par le Parlement. C'est le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, éventuellement la Cour de cassation, la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour européenne de justice. Comment on évite ces 5 obstacles, Hervé Morin ? Eh bien, d'abord, on change la Constitution s'il le faut. On modifie les règles constitutionnelles, d'une part. Je considère qu'il y a des périodes dans lesquelles une nation doit être en capacité de se défendre. Honnêtement, le débat de savoir si c'est un combat ou une guerre, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est le délitement de la société française et les risques démocratiques beaucoup plus profonds le jour où notre peuple se dira ben finalement, il nous faut un bon régime autoritaire pour remettre tout ça en état. Et moi, je ne veux pas en arriver là. Quand on parle d'expulsion, par exemple, j'ai entendu le ministre de l'Intérieur, après la semaine dernière, annoncer 320 décisions d'expulsion. Vous regarderez, puisque vous êtes des bons journalistes, dans quelques semaines ou dans quelques mois, combien ont été effectivement expulsés. On a créé un droit, on continue à avoir un droit qui est un droit du lendemain de la Seconde Guerre mondiale, d'après 1945, alors qu'il nous faut bâtir un autre droit concernant la question de l'immigration clandestine. Mais justement, ce sujet-là, il faut le poser et il faut créer les conditions pour qu'on n'ait pas 25 000 recours qui fait qu'on n'y arrive pas. Il faut bâtir, par exemple, des centres de rétention. Si vous voulez trouver une place dans un centre de rétention, vous me faites signe. Je vous parlais de mes 50 Syriens et Irakiens qui ne sont pas des terroristes, mais qui sont des clandestins. Eh bien, très clairement, ils terminent à l'hôtel parce qu'il n'y a pas un centre de rétention en Normandie qui soit en capacité de les accueillir. Et donc, ils repartent dans la nature. C'est ça, la réalité. Hervé Morin, il y a aussi un autre problème, vous le soulevez, c'est-à-dire qu'on ne peut pas renvoyer des gens du pays où ils sont originaires contre la volonté de ce même pays. On fait quoi, justement, avec celles et ceux que l'on veut renvoyer et on ne peut pas le faire? Comment ça se passe? J'entends bien, mais ça, c'est un... Je veux dire, d'abord, attaquons-nous à l'état de notre législation pour nous rendre efficaces. Premier point. Deuxièmement, faisons en sorte qu'il y ait une meilleure coordination des services de renseignement extérieur et renseignement intérieur. Je peux vous dire que même si ça a beaucoup progressé, on a encore des marges. Troisièmement, mettons en place des situations où on évoque auprès d'un certain nombre de pays que nous conditionnons un certain nombre d'accords, un certain nombre de financement européen. Est-ce qu'on sait que l'Europe est aujourd'hui le premier continent en termes d'aide à la coopération? Eh bien, considérons que dans nos discussions, on ose évoquer que nos aides à la coopération et au développement, elles sont aussi liées au fait qu'on récupère ceux qui sont partis de chez vous. Merci beaucoup, Hervé Morin, d'avoir réagi en direct sur notre antenne sur LCI. Monseigneur.